Bye-bye. Kate! Oui? Pendant ces temps difficiles, toi, tu as déjà commencé à aider, il y a quelques semaines, les gens qui en avaient vraiment besoin. Oui. Dans le fond, Habitat pour l'habitation. Habitat pour l'humanité? Pour l'humanité. L'habitation, qu'est-ce que c'est ça? Pour une fois, c'est pas moi qui se trompe. Ah non. C'est quoi ça, Habitat pour l'humanité? Ah oui, en fait, c'est un organisme à but non lucratif qui aide les familles qui veulent réaliser leur rêve de devenir propriétaire. Alors, si tu n'as pas d'argent puis tu veux devenir propriétaire, tu t'inscris là. Oui, c'est ça. Tu t'inscris, dans le fond, puis eux... Au site qui apparaît à l'écran, là. Oui, exact. Et eux, dans le fond, vont... vont s'occuper de faire la rénovation de la maison. Ils n'auront pas payé de mise de fonds, mais en échange, il va falloir qu'ils fassent 500 heures de bénévolat. Donc, tu reçois une maison, tu payes un petit loyer, puis tu dois donner au suivant en faisant... Du bénévolat. Et là, en faisant du bénévolat, c'est vraiment un projet fantastique. Ouais, et là, toi, tu faisais... C'est très girl power. Je me suis prêtée au jeu. Moi, j'ai fait de la rénovation avec 6 autres filles. Parce que ça s'appelle le programme des bâtisseuses. Oui, exact. Puis on peut s'inscrire à ça en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les bâtisseuses? Bien, écoute, on rénove, on donne des coups de massue. J'ai-tu mon petit casque, moi aussi? Oui, t'as ton casque. Attends, je te le désinfecte. OK, oui, merci. Je te désinfecte ça. Tiens, super désinfecté. Hey, merci. Ben, je vais donner un petit coup ces médailles de Michael. Bon, tant qu'à ça, on désinfecte les médailles de Michael. Tout va bien. OK, j'ai bien désinfecté ça sur un mot du temps. C'est beau. Je pense que mes cheveux vont décolorer avec tout l'alcool que j'ai sur la tête. Mais mes fossiles vont décoller. J'ai plus d'alcool sur la tête que Marilyn Jonca dans la dernière heure, hein? C'est pas peu dire. Alors, on va aller voir ça. C'est comment t'as démoli pour mieux construire pour les gens dans le besoin. C'était Habitat vraiment, pour l'humanité. C'était vraiment pas drôle. Là, aujourd'hui, on s'en vient participer à un chantier d'Habitat pour l'humanité. On fait de la démolition et j'espère que t'aimes ça. J'en ai jamais fait, mais je me sens si prête. Il y a comme un casserole, ça peut être la mienne. Habitat pour l'humanité, c'est un organisme qui permet d'offrir à des familles à revenus modestes d'avoir accès à une habitation qui est propre, qui est saine, mais qui est abordable. On va démolir ces deux murs-là aujourd'hui. J'aimerais ça donner genre le premier coup. Le programme des bâtisseuses permet à des équipes de femmes exclusivement de travailler sur les chantiers d'Habitat pour l'humanité. Pourquoi juste des femmes? Parce qu'on est habile, on est à l'aise, puis quelle meilleure girl power! Wow. C'est le fun de savoir que tu travailles pour améliorer la vie des gens et tu redonnes à la communauté. C'est un 2-pour-1, c'est un win-win. On a du fun puis on rend du monde heureux. Bonjour, moi, c'est Kate. La famille qui s'en vient s'installer ici. C'est une famille qui habite présentement dans un très petit logement qui est insalubre. C'est inhumain. Regardez, moi, c'est beau avec l'escalier, le long escalier. Il y a une salle de bain dans le fond, là-bas. La dame, elle a un gros sourire dans le visage. C'est quoi le sentiment d'avoir une communauté comme ça qui vous soutient? C'est vraiment apprécié. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Bravo, c'est très inspirant de voir ça. Bravo, j'espère qu'on va s'inscrire au projet et qu'on va pouvoir y participer. Moi, j'aimerais ça aller démolir des affaires. Hein, Marilyn? Ça a tellement fait de bien. Là. On serait bonne? Oui, oui, c'est ça. Non, c'est ce que je suis encore dans l'affaire de il disait, mon humoriste préféré, c'est toi, Arnaud. As-tu une humoriste préférée? C'est toi. Merci. Oh! Depuis tantôt, j'ai ça en dedans. Je garde ça. Ça bouille, là, me traite d'alcoolique. C'est rough. Tu sais, toute cette journée-là est vraiment difficile. Non, mais tu es la femme. Tu es la femme humoriste préférée de Michael Kingsbury. Vous restez avec nous. Après la pause, on va avoir le temps de jaser encore avec notre joyeux groupe. Et c'est la grande finale de notre concours de talent. On a besoin de vous pour voter. On est en confinement. C'est gratuit. Go, go, go. On vote tout de suite après la pause.